C'est Steamman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dragon Ball Z, bien sûr. Oui, vous avez bien entendu Dragon Ball Z. Parce que il est peut-être temps que je fasse du Dragon Ball Z. Chassant. Désolé, je sais plus parler. Sachant que mon logo, c'est celui-là. Et oui, exactement. Vous avez très bien compris. Je suis sur mon compte YouTube. Donc là, franchement, on va pas se faire emmerder. Parce que j'ai pas d'amis. Bah oui, c'est normal. J'ai même pas encore créé là. Dites-moi si je pourrais un jour créer un truc là. De toute façon, comme d'habitude, photo de Goku quoi. Goku. Vive Goku. Par contre, je vais faire un petit truc. Attendez. Parce que comme toujours, une grosse tâche et j'ai oublié comment ce que j'avais fait, ce que je dois faire. Donc voilà, tranquillou, on va faire du DBS. Attention, la caméra va bouger. Ouais. Ouais, on voit assez bien malgré que... Ouais, c'est bof. Wow. Goku, il était tout blanc. Bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour du DBS. Je vais essayer de baisser la luminosité pour vous. Mais bon, je sais pas si c'est possible. Là, normalement, vous devrez bien entendre le son parce qu'il est assez fort. Waouh! Donc, je vais baisser le son pour que ça soit la luminosité pour que ça va mieux pour vous. Enfin, je vais essayer. Écran. Luminosité. Ah, voilà! Et merde, je crois que ça va pas sauvegarder. Confirmé. Voilà, vous voyez parfaitement bien. Waouh, j'ai trouvé parfaitement le truc là, vous voyez exactement parfait. Donc là, je recommence le jeu plutôt parce que techniquement je suis presque à 100% sur mon compte personnel. Donc on va commencer avec le combat contre Raditz. Enfin, je crois que c'est ça. Attendez. Saiyan, ouais. Je crois que c'est Raditz. Pas sûr. Donc on va le faire en facile. Enfin, j'aurais pu le faire... En fait, je le fais en facile, pas parce que je suis nul. Hein. Au contraire, parce que généralement, pour être à 100%, il faut avoir déjà fait tous les combats difficiles. Et comme je suis presque à 100%, je te dis à la moitié des combats en difficile. Il m'en restait plus tellement en fait. Donc là, vous voyez parfaitement bien par les écritures. Ça, c'est bof. Ouais, il est lent. Ouais, c'est parfait. En fait, moi, je vois pas tellement bien. Mais vous voyez parfaitement bien. Il est où? Ouah, là, c'est complètement sombre. On se croirait dans Minecraft. Mais merde. Comme je connais pas, en fait, j'utilise jamais Raditz. Donc, je le connais pas par cœur. Aussi, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse, par exemple, les étoiles avec vous. Par exemple. Parce qu'il y en a, ils aiment pas trop quand je fais les étoiles. Alors, je ferai 2 combats par jour.
Ah le bâtard, il esquive. Doit un ordre facile arriver à esquiver une attaque. Ah oh, loupé. Là, il est chiant, il esquive tout. Je suis assez content de moi. Pour info, là, je regarde sur l'écran de mon téléphone. Hein. Voyez la preuve, je vise parfaitement bien. Ouais, merde. Et putain, il me casse les couilles. Je crois qu'il me reste Goku à battre après. Pour info, ça fait longtemps que je les ai pas fait les combats, alors. Et putain, à chaque fois je me gourde de côté. Ah, voilà, tu crées. Ah putain, c'est la première fois qu'ils arrivent à esquiver comme ça. Allez. Ah, heureusement. Je joue toujours avec la même manette. La rouge. Putain, vous voyez mal parce que je suis dans le noir. Donc c'est normal que vous voyez mal. Ah, la Goku qui a 4. Bientôt au moins. Voilà, tranquillou. Bien sûr, je vais faire toutes les étoiles avec vous. Enfin, tous les trophées avec vous. What? Il a réussi à faire un Kamehameha alors qu'il était à terre. Nouveauté sûrement. Non, je rigole, en fait, c'est un vieux jeu. J'ai oublié de vous dire le nom d'ailleurs. Désolé, hein, c'est. Je pense pas à tout, je suis qu'un petit youtubeur, moi, après tout. Vous allez dire, ça t'excuse pas. Ah oui, c'est pas faux. Alors, je fais ce let's play parce que, tout simplement, moi, déjà de une, j'ai que ça comme jeu Dragon Ball Z. Mais en plus. Je trouve que ce jeu Dragon Ball Z n'est pas justifié à sa valeur. Parce que pour moi, même si ce que je viens de dire ça a rien à voir, ça a aucun sens, pour moi ce jeu c'est une merveille. Sérieusement, pour des graphismes de l'époque, ils sont parfaits pour moi. Surtout regardez, c'est trop cool. Et je trouve que personnellement ce jeu a été abandonné un peu trop vite. S'il y en a qui jouent à ce jeu, je vous conseille de recommencer à jouer. Parce que personnellement, il défonce. Plutôt que jouer au nouveau Dragon Ball Z. D'ailleurs, je trouve que je vais chercher après. Et dans le prochain épisode, je vais vous le dire. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de. Après, je vais chercher pour voir s'il y a des trucs sur ce Dragon Ball Z là en français. Non, à mon avis, non, il les a pas. Ah, voilà. Voilà, Goku se passe à un niveau. Je vais vous faire des combats en ligne, bien sûr. C'est, je trouve des gens. Comme je viens de vous dire, il n'y a plus beaucoup de monde qui joue à celui-là. Pourtant, comme je viens de vous le dire encore une fois, ce jeu est très sous-estimé à sa juste valeur. Parce que, personnellement, ce jeu, pour l'époque, quand même, faut dire, regardez ça. C'est trop stylé. En plus, ce jeu suit parfaitement l'histoire. Je sais pas moi, personnellement, j'aime bien ce jeu, je kiffe totalement. Il n'y a pas que le mode histoire qu'on peut faire, il y a aussi de l'entraînement, des un petit tournoi à faire, du mode en ligne. Alors que dans certains nouveaux jeux, il n'y a pas tout ça. Ah oui, c'est pour moi c'est un vieux jeu, mais il est parfait. Non, je crois que normalement, là, je devais gagner un... Sérieux ? Il a tout ça ? Bon, si j'ai réussi à le faire... Non, merde ! C'est pas celui-là que je voulais faire. Pour info, moi, j'ai pas les mêmes attaques. Vu que ça fait longtemps... Déjà, j'ai dû arrêter pendant un moment à cause du problème que ça laguait tout le temps. Oh, merde ! Désolé, j'ai cru qu'il allait
que ça allait cogner contre le mien, mais bon, non. Même dans tous les cas, je crois que je l'aurais un peu défoncé. Voilà. Défoncé. Oh, oh. Il y a vraiment des ordis faciles à battre. Je ferai peut-être même un live pour vous montrer l'entraînement. Un jour. Je vous dirai quand je ferai le live. Je sais que je fais plus beaucoup de vidéos en ce moment. Tout simplement parce que en ce moment j'ai pas vraiment envie de faire des vidéos. Surtout que je sais pas quoi faire parce que je fais souvent du call of. Ah cette attaque. Non, c'est pas la bonne attaque. T'as fait chier. Moi je voulais le King Kidama, je crois que c'est. Non, il l'aura pas fait. Putain, non. En fait, c'est pas le Kamehameha qu'il fallait faire. Moi, c'est pas celle-là que je veux faire. Je vais essayer de changer l'attaque. Parce que celle-là, je la trouve nulle à chier. Mais totalement. Voilà, même pas le temps de réagir. Très tranquille. Bon, là, je me suis fait un peu avoir, mais bon. Hop, la gérance. Hop. Encore une attaque loupée. En fait, je fais pas trop de combat physique parce que ça fait perdre beaucoup d'XP. Enfin, d'XP de trucs. Vous allez voir si quand je ferai des combats en difficile, vous allez voir comment c'est. Si vous jouez à ce jeu un jour, vous allez voir comment c'est. En moins que vous êtes des pros de la play, vous allez. Vous aurez du mal à faire des attaques physiques. Ils sont plus faciles les attaques. Voilà, normalement je l'ai. Voilà, tranquillou. Oh, il sera pas encore mort. Il me semble qu'on n'a pas la cinématique la plus marquante de des premiers épisodes. Sérieusement, Goku il sacrifie pour sauver son fils, c'était magistral. Ou quand Gohan il fonce sur Rajit, il le pulvérise totalement, ça aussi c'est magistral. Dire que il a failli défoncer Rajit Gohan. Oh, il gagne encore de la vie. Il casse couille. Bon alors, ah, il va. Voilà, enfin. Non, pas celle-là. Bon bah du coup, what? Du coup, cette attaque, j'ai jamais fait celle-là. Parce que tout simplement je l'ai enlevé, je crois. Ah, GG, Raditz. GG. Je voudrais vous montrer un autre truc. Voilà, allez, allez, allez. Voilà, c'est ça. C'est les petits combats comme ça, vous savez, quand. Par contre, tu m'as défoncé. Simplement parce que j'étais concentré sur la vidéo. Je vais essayer d'en refaire un. Je vais attendre qu'il le fasse. Et on va voir. Voilà.
Il m'a encore défoncé. Ah non, c'est bon. Je l'ai défoncé. J'espère que les vidéos sur Dragon Ball Z vont vous plaire. Attends, je vais essayer de le faire. Pour voir au niveau des dégâts ce que ça fait. Ah, ça fait ça. Donc nous sommes déjà à 15 minutes de vidéo. Les vidéos vont pas durer longtemps. Hein. Par contre, je me fais laminer par Raditz. Par contre, le combat, il va durer une éternité, j'ai l'impression. Bon, c'est bon, on va en finir vite. Oh, merde! Vous voulez que je vous montre cette attaque? Voilà, on va le faire. Voilà, c'est ça qui est fait. Dites-le moi dans les commentaires si... Si vous voulez plus de vidéos. Genre que je remplace ça par... que je mets tout moins de Call of et plus de Dragon Ball Z. Ou si vous voulez que je mette quelques vidéos par semaine. Genre, je sais pas, une vidéo par semaine ou deux. Voilà, là, je l'ai défoncé. Et désolé, je peux pas mettre le... J'ai remarqué un truc, c'est que j'arrive à lire... j'arrive à lire. Ah, c'est bien ça. Par contre, la prochaine fois, je vais éviter de parler pendant la cinématique. Ouais, ça veut dire entraînez-vous fort. Bon, bref. Je vais... Attendez. Oh, merde, j'ai bougé le truc. Franchement, ça fait bizarre de retrouver ça. Sachant que moi, je suis très loin. Je pourrais pas vous montrer où est-ce que je suis parce que c'est sur ma partie personnelle. Vous avez pas le droit de regarder ma partie personnelle, sinon je vous défonce. Non, je rigole. De toute façon, vous pourrez pas. Non, non, en fait, c'est parce que tout simplement... Il en reste pas mal quand même. Tout simplement parce que j'ai pas envie de vous montrer où est-ce que j'en suis. Tout ce que je sais, c'est que je suis très loin en trophée. Bon. On va se laisser là. Attends. Dragon Ball. Raging Blast. Ok. Ça va être dur à marquer ça. Bref. On va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, elle m'a plu de la faire. Elle me l'a plu de la faire. Désolé, j'ai lagué. Mais avouez-le, mon fond d'écran, il défonce. Par contre, là, par contre, je peux pas changer la luminosité pour vous. Désolé. Ah, si, je crois. Attends, attendez. Paramètres vidéo. Ah, peut-être pas. Non. Paramètres, non. Couleur, fond d'écran, non. Paramètres, non. Paramètres, non. Paramètres, non. Non plus. Affichage, voilà. Je vais essayer de baisser la luminosité pour la prochaine vidéo. Paramètres, story vidéo. Ok. Game complet. Pas la même sécurité. Bah je peux pas. Désolé. Bref, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais un jour essayer de faire du Minecraft pour vous. Du GTA.
Ça, GTA, c'est sûr. Normalement, le mois prochain, ma soeur va acheter un GTA à mon beau-frère. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a plu de la faire. Bye tout le monde!